Welcome to The Jean-Baptiste Play. Voilà, c'est maintenant. Oh putain. On retourne sur Flick Cordo. Là, franchement, c'est la folie. Hein. Déjà, c'était un peu la folie quand j'ai lancé Jedi Knight. Mais là... Oh putain, cette musique. Je suis tellement trop content de vous faire découvrir ces jeux. Pour ceux qui connaissaient pas, vous voulez faire revoir... Pour ceux qui sont nostalgiques comme moi. Oh putain. Cette musique et ce jeu quoi. Sans déconner quoi. En plus j'avais acheté la BO et tout hein. Je l'écoute encore aujourd'hui. C'est trop ouf. Par contre la souris faudrait qu'il se calme là. Je sais pas si vous voyez comme elle bouge super vite ma souris. Putain cette musique de gros malade. Vous allez me prendre pour un fou. Je vais faire le topo un peu pour que vous compreniez quand est-ce que ça se passe et de quoi ça va parler. Soyez pas trop perdu. Ouais, le jeu il est trop bien. Alors vous allez voir, en fait déjà, quand est-ce que le jeu se passe au niveau de l'histoire? Donc en fait, ces événements, ils se passent pendant la guerre des clones. En fait, on fait partie d'une escouade qui a été surentraînée, une escouade de force spéciale de clones pour des missions un peu suicides. C'est pour ça en fait qu'ils ont été entraînés, pour ces missions suicides là. Et ils sont, voilà, ils sont quatre, et ils ont chacun leur spécialisation. Et en fait, ça a fait un peu... Quand le jeu est sorti, il a eu beaucoup d'impact, parce qu'en fait, c'est un jeu qui se veut quand même très mature par rapport aux autres jeux qui sont sortis. C'est-à-dire que, enfin, dans le sens, il est assez violent, en fait. Et pour un jeu Star Wars, c'était assez ouf. Il est super sombre, vraiment violent, et ça parle vraiment de la guerre. Mais, enfin, c'est très métaphorique, parce que c'est... Enfin, vous allez voir, c'est trop bien. Déjà, c'était bien parce que c'est un système d'escouade qui rappelle un peu Brother in Arms, pour ceux qui connaissent. Vous allez voir, vous allez comprendre. Mais enfin, il a eu un sacré impact parce que c'était un jeu qui était quand même vachement mûr, quoi, pour l'époque, quoi. Surtout dans un univers Star Wars. Bon, du coup, c'est parti. Yeah. Ah oui, un don. Merde. Bienvenue parmi nous, mon petit. Désormais, ton identifiant sera RC. Ah oui, on peut regarder autour de nous. Slash. C'est génial. Bon, je lis ton commentaire, ton don après, camarade. T'inquiète. Alors, EJBS, voici cet unique euro que je te donnerai la force, du moins un sourire, je l'espère. Toutes les vidéos, elles sont top. Courage pour trouver de nouveaux gens. Merci, camarade. Merci, ces zombies. Ils ont zombie plage. C'est trop cool. Merci, mec. Mais bien souvent, c'est trop cool. Tu ne pourras compter que sur tes capacités physiques. Et dans ce domaine, tu seras supérieur aux clones plus communs. Oh là là. Salut Silver. 2000 FPS, ouais, c'est carrément ça. Un guerrier parfait, sans équivalent. Sans équivalent. Merde, putain, par contre, les textures sont dégueulasses. Faut que je change les réglages. Plus important, les frères d'armes. Sur notre monde, les Aïwa chassent en groupe. Toi et tes trois frères feraient de même. Ah oui. Et deviendraient ainsi. Je joue. Redoutables chasseurs de la République. À présent, rejoins tes frères et assume ton destin. Ah, c'est folie, c'est folie. De l'escouade Delta. Delta 4-0 sera la base, le pilier sur lequel reposera le groupe. 6-2 sera l'âme et le cœur de l'équipe. Enfin, 0-7 sera le plus féroce d'entre vous, un chasseur d'exception. 3-0-7, c'est le meilleur. D'une même personne. Franchement, ils sont tous trop bien, les personnages. Fera appel à vous pour la défendre et donner vos vies s'il le faut. Ils ont trop. Il est putain de vieux. Je crois que c'est celui qui est de 2006. Oh mon dieu! Sergent, faites monter ces troopers dans la canonnière! Oh mon dieu! Décollage imminent! C'est la guerre! Ah oui! Okay, il y a le... Ça m'avait rendu fou quand j'étais gosse. L'essuie-glace. C'est trop con, mais c'est tellement stylé. Oh putain, nouveau sub! Merci Matmox! C'est trop cool, merci mec! Bienvenue à toi! Putain, c'est énorme! Bienvenue à toi mec! Ah, c'est trop cool. Merci mec de ton soutien, ça fait plaisir. La guerre des clones. Oh mon dieu.
la guerre se répand au travers de la galaxie. L'arme secrète de la République, une gigantesque armée de clones, est déployée pour la première fois contre les droïdes de force séparatistes. Putain, c'était la bienvenue à Mac... à Maxou. C'est bien, Matoux. On dit Matoux. Bienvenue Matoux, vas-y, manifeste-toi dans le chat. Loin au-dessus du carnage, les squads d'Elite Delta se préparent pour sa toute première mission. Merci à toi, mec, bienvenue. Dans zéro, garde des clones, je nous dis. J'ai l'air un peu schizo, non, quand je fais ça. C'est la guerre. Bon, du coup, faut que je modifie ça parce que, en fait, les textures sont dégueulasses. Graphisme. Voilà, c'est moins moche. C'est plus beau. Roland Corta, comment vas-tu? Merde, changement du jeu. Ah, tout à fait, merci camarade. On décolle! Putain, c'est génial. Bienvenue sur Geonosis, soldat. Ouais, attention au spoil. Hein. Ceux qui spoil, vous allez vous faire mute. Attention à ceux qui viennent d'arriver. Pas de spoil du jeu, pas de spoil des films. Oh, c'est tellement beau quand même. Franchement, ça va, c'est propre. Delta 6 est tout prêt. Votre premier objectif sera de le rejoindre. Objectif de l'escouade, trouver Sunfac et l'éliminer. Trouver Sunfac. Recevrez de nouveaux ordres plus tard. Bonne chance, soldat. Bon, le citron, c'est un peu dégueu. Mais je les garde les sous-titres ou je les viens? C'est un peu moche quand même ces gros sous-titres jaunes en plein milieu de l'écran. Là. Je les ai mis pour vous, mais. J'ai le lien des serves BF2, mais je peux pas l'envoyer. Ouais, bah t'inquiète, Romus. Envoie-le-moi en message privé, si tu peux. Ou en chuchotement. Et de toute façon, après, je te le redemanderai. Au pire, on te donnera le droit de mettre un lien. C'est voilà l'air d'atterrissage. Accrochez-vous. Attention! Oh oui, c'est génial! Des informations tactiques. Ça commence, c'est la guerre! Les informations tactiques apparaîtront sur vos affichages. Oh, putain de merde! Projection holographique. Ça t'est déjà aux yeux! Apparaîtront dans cette zone. Votre cible principale est le leader géonosien, Sunfac. Delta 3-8, il est absolument essentiel que Sunfac ne s'échappe pas. Ok! Connard de droïde! Delta 3-8, oh, tout va bien. Vous avez essuyé un tir antipersonnel, vos signes vitaux sont faibles. Soignez-vous bien avant de reprendre la mission. Des balles. Il y a un poste médical dans les environs. Ah, ils nous apprennent tout là. C'était comment la touche? Utilisez le distributeur de Bacta, placé. Oui, bon, ça je sais. On va faire continuer avec les indices si ça me saoule. C'est quoi déjà? C'est F? Ouais, c'est F. Waouh! Bon, ça c'est pas trop fort. Vous pouvez continuer, Delta 3-8. Ok. Ok. Barrez-vous. Bon, je vais le virer ça. Le marqueur d'objectif. Allez, continue sans indice parce que ça nique l'ambiance là. Alors qu'on est à fond et c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Y'a pas un Geonosien là? Oh oui, t'entends lui crier de Willem. C'est génial, c'est génial. C'est bon, on les arrête. Bon, au début, c'est un peu genre couloir et tout. Enfin, ça l'est quand même, tout joué comme ça. Mais au début, c'est un peu. Enfin, ça se voit que c'est mis en scène, mais après, cet aspect disparaît un peu et ça devient trop bien. Grenade! Merde, je suis pas grenade. Grenade! Je suis pas de grenade. J'ai essayé, mais. Enfin, je vous montre un truc trop cool après. Ouais, c'est S d'ailleurs, on aurait peut-être pas plus difficile parce que j'ai vu quelle difficulté. Il y a un truc trop bien, genre. Salut! BOUM! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'était l'histoire? C'est génial. Monsieur, vous vous dirigez en plein vers l'ennemi. Ça croule de droïdes et d'insectes par là. Salut Anomix. Ah oui, t'es déjà allé le voir deux fois. Putain, moi je suis allé voir qu'une fois pour l'instant. Génial. Ok, faut que je couvre ici, c'est ça? C'est tout direct, de toute façon. Oh putain, il rentre. Bravo, bravo. Bon alors, difficulté elle est pourrie là, j'ai pris aucun dégât. Comment on fait pour changer? Bon, c'est le début, je sais, mais quand même. Normal. Difficile, voilà. Ça sera mieux là. On a des balles. Parce que bon, je veux bien que ce soit une problème de santé, mais là quand même, on est sur du FPS, l'air là. Faut les rush, ces putains de droïdes. Après, les gros droïdes, on pourra pas les rush. Faut profiter. Ok, c'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi ça? C'est un Geonosien. Je crois que c'était déjà un droïde DK, j'ai eu peur. Il y a un poste d'artillerie à proximité.
Ouais, c'est génial parce que vous êtes vraiment... Enfin, en fait, on est une unité, ce qui est vraiment... Je vais montrer un peu sur le jeu. On est une unité qui est vraiment surentraînée. Mais en même temps, on reste un soldat. Et du coup, bah, quand vous croisez un droïde des casse, c'est la misère, quoi. Parce qu'ils ont des boucliers et tout. Enfin, c'est vraiment les pires trucs qui puissent arriver, quoi. Bon, je suis bon. Des balles, des munitions. Parfait. Parfait, parfait. Ah oui, j'envoie une grenade là-dedans. Ok. On va niquer l'artillerie. Salut Michel. Boum. Grenade. Boum. Ouais, je suis le meilleur. C'est trop bien, c'est la guerre. J'enlève les sous-titres. Bon, j'enlève les sous-titres alors. Ouais, parce que c'est un peu moche quand même. J'ai vu ça. Alors. Delta 3-8, Delta 6-2 est tout près de vous. Vous devriez vous rencontrer rapidement. Ok. Et du coup, vous allez voir parce qu'en fait, le truc de ce jeu, c'est pas juste un FPS en mode oh, on nique tout le monde. Voilà. On a une escouade. C'est génial, putain de merde. Vous avez le plasma, crétin droïde. Et en fait, vous voyez cet allié là qui vient d'arriver, bah, il est sous mon commandement. Et du coup, on peut leur donner des ordres. J'attends qu'ils finissent de parler. Et là, du coup, c'est avec F. On lui dit vas-y, va là-bas. Et chaque personne a une fonction spéciale. Et vous voyez, il y a des fantômes en fait pour vous montrer où est-ce qu'ils vont se placer. Et c'est vraiment super tactique parce qu'on peut gérer à fond. Non, je regardais les touches. On peut gérer à fond en fait le placement des unités, faire vraiment des points de défense et tout. Enfin, c'est vraiment, ça se veut un petit FPS un peu tactique. Enfin, je vais dire de se mettre là, voir si ça marche. La charge est armée et prête à exploser. Bravo, bravo. Et meurt, mon gars, meurt. Oh, il a éclaté, c'est dégueulasse. Et du coup là, par exemple, je peux lui faire vous n'avez qu'à appuyer. Défense cette position. Et là, du coup, je fais et bim. C'est génial. C'est ouf, ça fait trop bizarre comme il est putain de vieux ce jeu en fait. J'avais tellement de souvenirs en mode oh les graphismes ils étaient trop ouf et tout. Et en fait ça fait trop bizarre. Ils ont sorti l'artillerie lourde par ici. La canonnière arcane est en route. Oh oui. Oh oui. Mon dieu. Ah oui. Ah c'est génial. Je suis en Jolosis, putain de merde, c'est la guerre. Merde, faut que je dise de venir avec moi. Depuis la canonnière et je vous transmettrai les informations utiles. Aucun renfort n'est disponible pour la... Salut tout le monde, c'est ceux qui viennent nous rejoindre. Ouais, le film est vraiment bien. Par contre, faites gaffe de pas trop en parler parce que sinon les modos vont vous mute. Mais ouais, le film est vraiment bien. Votre objectif final reste Sulfac, mais votre objectif immédiat est de retrouver Delta 4-0. Ok. Bah tant mieux alors si je retrouve Delta 4-0. Ah oui. Ça c'est des trucs. Ah oui, putain, il y a le nid et tout après. C'est trop bien, ça va être victime. Bon, là je suis full life. Jean-Mille a l'air d'aller bien. Bien sûr, moi. Puis les musiques, franchement, les musiques elles jouent beaucoup. Hein. Oh putain. Delta 4-0 est de l'autre côté de la porte. Placez une charge et okay. Faites sauter la porte. Je vais lui dire de reculer. Je vais lui dire de reculer. Je te couvre. T'inquiète. 4 secondes. Ce moment où... La charge armée est prête à exploser. À vous de jouer, chef. Allez, c'est parti. Bon. Ah oui, il était en train de buter, hein. Ah, je vois nos yeux. Oh, cette violence. Je me connecte à votre ATH, chef. Ah, c'est la folie. À cœur. Piratage du bouclier de sécurité. C'est l'homme de la situation. Commencez le piratage. Votre statut et votre localisation sont affichés ici. C'est Delta en formation. On se regroupe, chef. Adoptez une formation offensive. 3, 2, 1. Salut, salut ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Oh, c'est la folie, c'est la folie. Ouais, vous inquiétez pas, les modos ils font ça depuis le début de l'après-midi, enfin depuis toute la journée, depuis midi, ils mutent les gens qui spawnent, donc ça devrait bien se passer. Après, c'est des suicidaires, hein, voilà. Ils sont vraiment qu'à eux. Même le petit flingue, je crois qu'il est bien. Le petit flingue, il est cool. Même les sons, ils sont trop cool. Enfin, le ressenti des armes est vraiment énorme. Ok. C'est dingue, qui est blessé là. C'est toi qui as morflé là. Il est dans le jaune. Vous voyez en bas à gauche, en fait, il y a la vie des personnages. Fais gaffe à ça. Commence le piratage.
Ok. Adopter une formation offensive. Okay. Oui, chef. C'est génial. Alors, tout le monde sous ses ordres. Salut à tous. Encore un... Putain. Tours, il est à fond. Tours ou Tours, ça se prononce. Est ouverte. Ok, on y va. On va même leur dire genre... Adopter une formation offensive. Enfin, oui, je crois qu'on peut leur, désigner une cible, je sais plus comment on fait, mais... Boum! Mieux vaut ne pas prendre de risques, détruisez-les. Oh, c'est génial. Allez, on y va! Allez, on y va! Information! Rien, ça, vos cours! Oh putain, c'est la guerre! Vos cours! Voilà, vos cours, vos cours! Adopter une formation offensive. Je sais plus comment on fait pour sélectionner une cible. C'est pas F? Si, c'est ça, c'est F. Putain, j'ai retrouvé. Ok, on s'éloigne, on s'éloigne. Reculez, soldat. Boum ! Grenade ! Allez, on y va ! C'est génial. Plutôt sombre, par ici. Oh, je vois rien. Delta, changer de mode de vision. Comment on fait ? X. Oh, énorme ! J'avais oublié ça. Même ça, c'est trash, quoi. Grenade ! On peut leur faire péter la tête et tout. Adopter une formation offensive. Bien reçu. Ouh, j'ai pris cher. La musique, on dirait Halo. Il était bien, tout on dirait Halo en fait. Regardez ça. Insecte armé de bâton. Éteignez-moi ça, soldat. La lumière est largement suffisante. Oui, chat. J'ai besoin d'une solution. Maintenant, dégagez la voie avec un explosif. Quelqu'un pourrait s'ouvrir. Allez, là. En plus, vous allez voir après sur Mirage, il y a des missions qui sont tellement oppressantes, c'est trop ouf quoi. J'ai vraiment réussi à bien varier en fait les univers et tout. Allez, bouge de là! Reculez, oh mon dieu! Genre, je vais déco dans 10-15 minutes, je vais aller manger. Ok, ça marche! Bah, à toute, mec! Ok. Ok, on se tend la résistance, TKT. Formation. Oh putain, effectivement, il y a la résistance. Et pas qu'un peu. Boum. J'adore les grenades. Oh, ils sont tellement S ceux-là au début. Même en difficile. Ok. Il y aura une rediff. Ouais, il y aura une rediff, ouais. Je sais pas comment je vais faire, mais il y aura une rediff. Je pense que je vais découper par jeu, en fait. Pour que ce soit trop lourd. Il y a un chaque jour. L'union fait la force. Ah oui. Pas de temps de chargement. Ah oui, 07. Boum. Oh, lui, il est trop classe. Connecte à votre ADA, chef. Je me connecte au ADA. On fait connaissance avec les autochtones. Où est Sunfac? Dans la pièce d'à côté, chef. Alors, du coup, j'ai monté un peu les dialogues parce que franchement, ils sont trop bien écrits. On va monter un peu le son des dialogues. Voilà. Sinon, on va baisser encore un peu. Les musiques, on va baisser un peu. Voilà. Et ne vous en faites pas. J'ai pas tué tout le monde. J'ai pas tué tout le monde. C'est génial. Il a pas tué tout le monde, les amis. Il a pas tué. Je te mets à couvert. Alors. Bah, du coup, je crois qu'il faut poser une charge là, non? Ah putain, c'est là. C'est lui, Sunfac. Je me rappelle plus si on arrive à la voir, ce salaud. Bon, bah. Éliminez-le. Sunfac. Allez! Il se meurt! Il s'est échappé. Le mec, il nous regarde derrière la porte. Absolument essentiel que putain, droïde. Oh putain, il y a des grenades IEM, cool. Je peux les prendre ou pas? Oh putain, merde! Oh oui, je vois bien ceux-là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très résistants. Allez, on se concentre sur lui là! Éclatez-le, éclatez-le! Éclatez-le, éclatez-le, il meurt pas! Oh putain de merde! Oh la vache, ils ont pété un plomb sur la vie des droïdes en difficile. Putain, je me rappelle pas qu'ils étaient aussi chauds. Allez, mais meurs, sans déconner! Oh la vache! Dépêchez-vous, 3-8, le chasseur de Sunfac est sur le point de décoller. Ouais, on arrive, on arrive. Je vais pas prendre ça là? Ok. Leur donner une manœuvre vers la porte. Oh putain, il est encore là. Tu fais chier, tu fais chier. Ici 07, surcharge. YOLO! 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 Ah oui, ça c'est génial, ils prennent des positions genre de force spéciale. C'est bon.
attention. Grenade. Boom. C'est maintenant. Sunfax au bord. Derrière le bouclier. Delta 3-8, assigné 07 à une position de sniper. Son objectif, Sunfax. Ok. 07. Position sniper. Descends-le. Descends-le. On est là. Oh oui. Flingue-le. Force du 07. Allez. Yeah. C'est génial. C'est génial. Ouais, je suis battre le front plutôt. Ah oui, les effets sur les boucliers sont trop cool. Il y aura BF2 juste après, réplique commando, vous inquiétez pas. Poursuivez Delta. Bon travail 3-8, mais ce n'est pas l'heure de réjouissance. Comme vous le savez, 3-6 et ses hommes ne sont plus opérationnels. Leur mission était de neutraliser une usine de droïdes dans le secteur. Okay. Cette mission est désormais la vôtre, soldat. Dirigez-vous vers l'ascenseur. Ok. Ouais, du coup, après réplique commando, on ira sur BF2. Et en plus, il y a un viewer qui veut nous proposer un serveur. Du coup, on pourrait jouer tous ensemble, ce serait trop bien. Je kifferais trop. Allez, c'est parti. D'après nos renseignements, il existe plusieurs usines enterrées en profondeur, mais elles sont inaccessibles pour notre équipement lourd. La chaleur qui émane de cette flèche indique qu'il y a une usine en dessous. Neutraliser l'une de ces usines peut faire pencher la balance en notre faveur dans la bataille en surface. Nos scanners ne peuvent déterminer précisément l'emplacement de l'usine à cause du brouilleur près de votre position. Tout d'abord, neutralisez le brouilleur. Une fois ceci accompli, je vous guiderai jusqu'à votre cible principale. Nos c'est génial. Seront sporadiques que vous serez à l'intérieur. Vous êtes seul jusqu'à ce que vous neutralisez ce brouilleur. Signal, chef. On a perdu le signal. Putain. On a perdu le signal. On est seul. Oh oui. Il y a un nouveau flingue. Donne-moi ça. Comment je l'ai pas pris là? Il est où? Oh oui. Oh, j'avais oublié ça. Changement d'arme. Hop, voilà, tranquille. Sniper. C'est la folie, putain. Allez. Commencez l'ouverture de la porte. Comment cette porte, soldat? Ça va et toi, Belto? Détonateur en position. C'est bon. Ok. Grenade lancée. La porte est ouverte. En avant. Cette odeur, c'est de la résine de Finda. Sous sa forme brute, c'est un explosif puissant. Ok. Comment savoir? Boum. Un explosif puissant sous sa forme brute. Ok. J'entends un bruit de machine en dessous. On est sur la bonne voie. J'ai peur. Le live se termine à minuit. Pourquoi c'est écrit en haut. On va pouvoir tuer d'autres insectes alors. Cible multiple sur le pont. Chef, je crois que c'est un bon point pour un sniper ici. Où ça? Ah, GG. Ça s'annonce mal, soldat. Ah bon? Oh merde, effectivement. Ça s'annonce plutôt mal. Allez là. Faut qu'on avance, les amis, hein. On passe là, on va se faire recte. Prendre le sniper. Pour éclater ces salauds. Oh putain, mais ça tremble de partout, c'est insupportable. Boum! Headshot. Ça me paraît bien. Putain! En voilà. Bon, j'ai du mal à changer d'arme. On va rester sur le petit pistolet classique. Sans doute la bataille en surface. La voix que j'ai en plus, c'est trop bizarre. Oh fuck! Putain, il m'a fait peur ce con. J'ai mis le headshot du coup. Ah oui, il y a le nid! Le nid! C'est en vrai, me fout la trouille. Mieux vaut ne pas trop s'en approcher, au cas où. C'est tous les flingués, ça va nous faire chier. C'est vraiment dégueu. Les dialogues sont vraiment trop énormes. Non, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Règle numéro 17, ça serait qu'ils sont mémoires. Attends, j'ai oublié avec leur règle à la con. On va éviter de tous se les faire, on va essayer de passer. Star Wars Battlefront 2, ouais il est pas mal, franchement il est bien. Hein. Bah les Battlefront sont vraiment trop cool. Hein. Ouais, le plus commando il est vraiment stylé. Hein. Mon dieu. Putain, il y a des bestioles de partout sur tous les plafonds et tout, c'est atroce. Putain, il a pris cher. Hein. En formation. On couvre 3-8. Ah putain, ça explose de partout ça. Annuler l'ordre de tir, soldat. Un ennemi à terre. Merde.
Putain, il a plus beaucoup de vie, c'est qui a plus de vie là? C'est 07, il en chie là pour avancer. Oh merde, 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 merde. Ok, point de sauvegarde. Ok. Placez-vous ici, soldat. Oui, chef. Insecte écrasé. Ennemi éliminé. Ok, on y va. Et un droïde ennemi en vue. Ah, voilà le brouilleur. Captain Biceps. Pouvoir désactiver ce bouclier. Grenade! Ouais, voilà, c'est ça que je veux, tu vois des grenades, mec. Alors, vous venez avec moi. On se met trois des positions un peu mieux. Le brouilleur crée des interférences sur mon écran. Ah oui, putain, effectivement. C'est un peu la merde. Allez, on y va, on y va, on y va. Sécuriser les points. Oh putain. Fuck. Ah, ça m'a électrocuté cette merde. Oh le con. BIM! BIM! Recharge. Hey Bobby Gérard, arrive-toi de là. Mon dieu, ça arrive. Position là. Je me mets en position. Position ici. Et l'autre avec moi. Allez, on y va. J'ai un terminal d'ordinateur de l'autre côté de la pièce. Ceci doit contrôler le bouclier du brouilleur. On dirait Alien, c'est trop ça. Il est avec moi l'autre. Escouade Delta en formation. On vous couvre 3-8. Ok, vous me couvrez là, vous êtes sûr? Bon, ouais, vous me couvrez plutôt bien en fait. Bon, je vais le faire moi. Si vous me couvrez. Et il est à 07. Ok, c'est bon. Pourquoi l'écran tremble? En fait, c'est parce que on est sous la Terre et il y a la guerre de Geonosis au-dessus. La bataille qu'il y a dans le 2. Dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Et du coup, ben, ça tremble parce qu'il y a des bombardements au-dessus et qu'on est juste sous la surface. Et du coup, c'est un effet de gameplay qui est fait exprès pour vous empêcher, pour vous faire chier, enfin, pour vous viser quoi. Prêt à reprendre du service. On annule tout. On se met à couvert. Vous pourrez faire ça toute la journée. J'ai cru que vous ne le demanderiez jamais. Okay. Delta, abandonnez votre position. Bon, j'ai de la vie, c'est bon. Je prends des munitions, ça devrait être bon. Une fois qu'il aura fini, on pourra y aller. En formation. Allez, on y va. En formation, chef. Commencez à. Mais oui, c'est vrai que Skid a disparu. Ça fait 9 heures que je lis et que je filtre absolument tout ce qui se passe sur ce stream. Excuse-moi si je faiblis. Ah, merci, Captain. Allez, poser une bombe sur le brouilleur. Je mets la bombe en place. Ok, on se met en position défensive. Là-haut, là-haut, là-haut. Un bâtard, là. GG. Putain, ça arrive d'en haut, ça arrive d'en haut. Oh, merde! Putain, la merde, il se fait attaquer, lui. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, ça fait guerre. 3 secondes, allez, on tient, on tient. La bombe est en place. Oh, on se barre, on se barre. Arrivez-vous, arrivez-vous. Bombe. Voilà. Soldats, regroupez-vous. Sur quoi? En formation. Génial. Les communications sont rétablies. Les premières images radar montrent un grand complexe au niveau inférieur sous votre position. Vous avez joué à quoi avant? Jusqu'à l'ouverture derrière le brouilleur. On a joué à... Il y a un rebord à la fin de ce conduit. Vous pouvez descendre en rappel à partir de cette corniche. Trop bien. Du coup, on a joué à Galactic Battleground, le Edge of Empires de Star Wars. On a fait les deux Jedi Knights, Jedi Knight 2, Jedi Knight 3. On a fait Battlefront, KOTOR. Et là, on est sur le commando. Pas étonnant. Mes radars ne trouvent pas de chemin entre la flèche et l'usine. Il va falloir faire preuve de créativité. Avec grand plaisir, chef. Ouais, c'est vrai qu'on. On vient. Oh, what the fuck? C'est quoi ça? Ah putain, c'est celui qui a le laser. Elle est trop cheatée cette arme, elle est trop stylée. Flinguez-le, flinguez-le. Il meurt pas lui. Oh putain, c'est la merde. Mais meurt ta race. Ah la vache. En plus, elle fait des dégâts son arme, j'aimerais bien la choper mais... Flinguez-moi cette merde, c'est un monde. Cible prioritaire là. Putain de merde. Bombe. Oh, il y a autre chose que j'ai mis. Attention au laser. Ok, prendre des positions, je vais aider Bobby là. Putain, il s'est fait déboîter. C'est marrant parce qu'en difficile, ils prennent plus cher que moi en fait. Oh putain, j'ai pris cher là par contre. Un petit coup de cac, il m'a pas fait plaisir. Mettez-vous en position de tir. Faut qu'on me soigne. Zone cible en vue. Ordre annulé, soldat. Delta, utilisez votre bâtiment. Eh merde, il se fait. Il en manque un, ils sont tous à terre, putain, chier. Il couvre lui. Si tu couvres, c'est bon. Tu vas aller réveiller celui-là. Ah merde, putain! Oh la vache, je me suis fait one shot! Oh non! J'ai besoin d'aide, soldat!
Fuck, putain, il y avait un bâtard qui m'a snipé. Je crois que je vais crever là. Sauve-moi, Bobby. J'espère qu'il va y arriver. C'est la win. Ils sont tous morts, mais je suis vivant. Il y a peut-être une chance. Oh putain, le mode difficile, en fait, c'est chaud. Ça rase, voilà. Je me suis fait déboîter. Si on tombe, le mode difficile, on est fichu. Putain, ok, bon, faut que je la refasse, celle-là. Ouais, bah oui, dernière sauvegarde, bah évidemment, je me suis fait. Mais non, non, c'est ça que je voulais faire, c'est pas grave. Pas étonnant. Ah, si, c'est bon. Mes radars ne trouvent pas de chemin entre la flèche et l'usine. Je m'en sors. Ils ont une virgule. Bon. Du coup, on va se préparer un peu mieux que ça. Parce qu'on est en mode difficile. Voilà. On va essayer de la faire discret au début. Et en fait, faut pas que je les bloque sur des positions au départ. Attention, voilà, il est là. La nouvelle cible. Oui, faut vraiment que je le recte moi en fait. Putain, bouge là, bouge là. Faut que tu te fais recte là. GG. Oh, putain, il se fait déboîter. Voilà, position ici. Moi je m'occupe d'eux. Oh putain, il y a un recte ce con. C'est des dégâts ce truc. Comment je l'ai eu? Ouh. Oh la vache, y'en a combien de ces conneries là? Vous avez moyen de le focus le bâtard là en vrai ou pas? Putain, on se fait déboîter hein, par cette merde quoi. GG! Oh la vache! Pourquoi il est foncé? C'est la guerre! Bon, ça a l'air d'aller. Je vais me soigner pendant qu'il est de l'autre. En priorité, tu butes tout le temps celui qui vole. Ouais, ouais, bah du coup, c'est ce que je viens de faire. On peut tous les abattre. Oui, chef. Utilisez votre bagdad. Récupère du bagdad, chef. Ouais, là. Zone cible en vue. Cool. Parce que celui-là, il nous aurait fait mal. Ordre annulé, soldat. Non, non, attends, attends. Je peux le faire, ça. Votre casque est trop serré, chef. On va te soigner, Delta, toi. Commencez les soins au bagdad. Je m'occupe de ça. J'y vais. Allez, c'est parti. On a une équipe, il faut qu'on y arrive. Vivaldi. Oh, c'est génial. Ok, on recule. On dégage. Sur moi. Alien neutralisé. Escouade Delta en formation. Dégagé. Boum. Allez, maintenant le rect. Je suis des conneries là. J'ai un mec là, tout de suite maintenant. Un mec là. Le dernier, il est avec moi. Bon, du coup, pas fait mieux. Je vais me mettre là, il faut qu'il y en ait qui aille là-bas. Merde. Ouh, la grenade. Tir parfait. C'est bon, on peut y aller. Cet ordre, soldat. Bien reçu. Il finit trop, j'amorce la charge. Couvrez-moi. Allez, en avant. Placez-vous ici pour abattre. On y est. Oh, c'est génial. Attends, l'immersion qu'il y a d'empêche et le stress qu'ils arrivent à vous foutre. Alors, c'est un FPS de... Ça va exploser. Attention, putain. De ce qu'il y a de plus classique finalement quand on y réfléchit. Mais n'empêche que la musique, la mise en scène et tout, les personnages, enfin c'est trop cool. Delta, abandonnez votre position. Allez, c'est parti. Nous allons utiliser cette ligne de vue. Oui, chef. C'est maintenant. Soldat, en position et feu à volonté. Ils sont où les mecs là? J'entends du bruit là. Il est direct. Ah oui, un mec sur la tourelle. Ça, c'est bien ça. Attention derrière vous. Bon, allez, y'a trop de mecs. Il y a le sniper là. Ouais, du coup, t'as pas la peine que tu te mettes là. On annule tout, soldat. On est coincé. J'ai comme l'impression qu'on va devoir improviser un pont. En faisant exploser cette tour à la base, on pourrait obtenir un pont. Vas-y, va là. Moi, je te couvre. En plus, on a le sniper et tout, on est bien placé. On a une tourelle sur le côté, plus le sniper. Les amis, ça va bien se passer, je pense. Hein. Attention! C'est génial! Oh merde, il se fait cramer ce con! Il est direct là, c'est bon? C'est trop facile, j'aime pas trop beaucoup ça! Carrément! Pourtant, on est difficile, mais après on va en chier sa race! Hein. Franchement, là, je gère les jaunosiens parce que ça va, mais. Mais après on va en chier sa race! Alors, ça, c'est une arme stylée, vous allez voir!
On dirait une arme à faisceau géodésique. Elle est énorme, regardez ça. Quelle est l'aide. Quelle est l'aide. Vous avez vu ça. C'est trop bizarre avec cette espèce de main là qui tape en mode... Et c'est trop stylé, c'est un truc qui se charge et genre... BOOM. C'est trop puissant. C'est génial, vous allez voir. Je vais vous montrer après qu'on aura des méchants. Tu sais que t'es passé trop de temps sur le stream quand tu es dans ta cuisine et que tu entends toujours les sons des blasters. Ah, c'est génial. Salut Sniprox, ça va et toi? C'est République Commando. Un jeu Star Wars qui est sorti en 2006. Grosse folie. Et il est vraiment cool. C'est un jeu où tu commences une escouade. L'architecture n'est pas à mon goût. Tu peux le voir. Changez-moi ça. Dans un univers Star Wars un peu mature et ça se passe pendant la guerre des clones. C'est une équipe de force spéciale qui va tout rect. Qui va tout rect. C'est juste fou de tellement de souvenirs qui reviennent, rien que les répliques elles sont cultes. Mais oui, carrément. Carrément. Putain, je me rappelle de la mission en plus dans le vaisseau abandonné. C'est tellement horrible celle-là. Trop difficile à tenir. Puis les musiques, vous entendez ça sans déconner. Salut Poupi. Il coûte 5€. Vous pouvez l'avoir à 5€ sur Games Planet. J'ai mis un lien en dessous du stream. Il y a un bouton Games Planet. Et ils sont en solde en ce moment à 5€. Sur Steam, ils sont un peu plus chers. Ouvrez cette porte, soldat. Et on peut faire... Attendez. On peut faire un truc discret. Ah oui, on peut faire une ouverture discrète. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, ouverture. J'aime bien quand on fait péter. Je m'en fous de péter, moi. Je place le détonateur. Ça, j'aime trop juste changer d'arme. C'est tellement stylé l'animation. Ça va exploser. Boum. On a bien fait de tout faire péter. Pour accéder à l'ordinateur principal de l'usine. Je devrais pouvoir déverrouiller les portes après avoir établi le contact. Oh putain, merde. Ok, bon, on va essayer de se les faire tranquillement. Oh ouais, je les ai, vus. Les rushez pas, Putain, c'est la merde, j'ai plus... Oh la vache. Oh mon dieu, je me suis fait rect. Il met un one shot ce con. Putain, difficile, ça part d'un coup en fait. Hein. Merci. Oh, on va se faire démonter là. Là, faut reculer, hein. Faut reculer. Combat. Il faut back contre ces trucs, ils sont beaucoup trop puissants. On va défendre cette position. Voilà. Boom. Ça, vous aimez bien ça, hein? Le bâtard. J'en ai plus. Fuck. C'est bon, je les ai eus. Vous pouvez revenir, les gars. En formation, chef. Oh, putain, ils vont, ce con. Oh, putain. Oh, merde. Ralentir la capacité de production de l'usine. Le premier conduit se trouve à l'extérieur de la salle de contrôle où vous êtes. Le second conduit se trouve à la fin de la chaîne de montage au niveau production. Vous devrez les détruire toutes les deux pour couper l'alimentation. Mise à jour des coordonnées de l'objectif. Ok. Je suis comme Delph. Pas de soucis. 6-2 en position. Du coup, il l'a piraté? Oui, il l'a piraté en fait. Du coup, il faudrait qu'il y ait un autre qui... Bah, tout le monde se soigne. Pff, c'est trop bien ça. Ils prennent l'initiative, les types. Tu peux rename sur demande par mail, voici la solution, tu télécharges Game Ranger, après tu installes, puis il reconnaîtra Battlefront 2, et enfin il suffit de rejoindre un serveur que les autres gens vont rejoindre aussi, en téléchargeant Game Ranger. Et du coup c'est quoi Game Ranger? Nanana. Du coup tout le monde est soigné là? On est chaud ou pas? Il t'avait plu le jeu Dead Pixel? Putain, tu sais que je l'ai pas encore commencé, mec, hein. Je l'ai pas testé encore. Je sais, tu es en rouleur, mais Mais ouais, c'est bon. Je l'ai pas encore essayé. Ah non, si, putain, si, je l'ai testé. Mais oui, il est trop bien, mec. Oui, carrément, putain, je te dis n'importe quoi. Oui, il est génial, je suis allé vachement loin, en plus. Le premier conduit électrique. Descendons au niveau inférieur. Oh putain, je vais me faire défoncer. Je recharge mon arme. J'essaie de viser les points sensibles. Sur la tête. J'ai plus de balles. Éclatez-le, éclatez-le. En formation. Éliminer la cible. Le type il y va sans couvert quoi. BOOM! BOOM! J'ai pas peur de toi, Et ouais, il est trop cool d'être pixel, je connaissais pas du tout mec, merci. Et ouais, c'est vachement cool. Enfin, c'est marrant. Mon dieu. Là, y a du monde là. Ok. Oh putain, là c'est la merde, c'est là qu'il me faut des grenades. Hein. Et je peux changer de grenade avec. Ah, vous m'avez dit. Non, je crois que j'ai changé la touche. Merde, c'est T je crois. Ah, c'est ça. Grenade! Les UM elles sont vraiment efficaces hein.
Mettez-vous en position de tir, soldat. On va bien. En route vers la position. Je le sens pas là. Je vous rejoins. En position. Je sens qu'il va y avoir du gros jaune aux yeux des familles là. Piratez-moi ce terminal, soldat. Ok, Nice. Allez, en avant. Félicite-toi. Bon, ça va. Tu as testé H1Z1, toi? Ouais, vite fait. Mais je me suis pas du tout mis sérieusement, quoi. Mais il faudrait. C'est toujours la même? Ouais, c'est toujours la même. Bon, j'ai des balles, cool. Je me mets à couvert. Delta, abandonnez votre position. Ah, mais c'est bon. Bon, une petite sauvegarde quand même. Sauvegarde auto. Bon, il sauvegarde auto, on va pas se faire chier. Oh non, c'est une usine de droïdes. C'est trop classe. A plus Slimoche, Slimouche. Salut Pidix. Pourquoi ça te ferme? Voilà le second conduit électrique. Oh merde. Oh putain, y'a un méchant. Oh merde. Oh là là, je me suis fait défoncer. Putain de merde. Ah merde. Aide-moi. Il m'a défoncé à travers la fenêtre, quoi. C'est Lunax, salut Epic Games. Terminé, je recharge. Vous l'avez vu? Non. Oh, d'accord, j'ai peur. Putain, il va noir avec ce con là. Personne. Ah, mais si, j'ai une grenade là. Mais je pense que je saute. BOUM! Regardez, chef, des droïdes! BOUM! C'est génial. Bon, du coup, vous pouvez faire péter ça ou pas? Parce que là, on est un peu kébo, non? On aurait besoin d'un trou ici. Je place la charge. Ah, si, c'est par là. Génial. JJ. Quelqu'un pourrait me couvrir? Bon, oh, on est là. Ah, j'ai plus de vie par contre. C'est oh! Déjà. Rouge, rouge, vert, rouge, rouge. Ils arrivent. Il est beau, notre expert en explosif. Explosif prêt à sauter, chef. Et il y a déjà eu le stream sur Nouveau Battlefront, j'en ai même fait deux. C'est bon? Pardon. Dégagez, super droïde! Oh merde, j'ai plus de couvert du coup. Ah merde, merde, salon! Fuck, du coup il nous a touché de vous. Ça, c'est vachement efficace ce truc jaunosien contre ces grosses merdes là. Enfin, ces grosses merdes, excusez-moi du peu, mais. Faut être conniste. C'est le nouveau T-bag, c'est le knife bag. Merde. Il me laisse pas une seconde de répit, ces salopards. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Oh merde, y'a du monde là. Soldat, en position et feu à volonté. Oh, y'a de la vie et tout là. On va avoir besoin de ça. Surtout moi. J'arrive, 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 j'arrive. Ils arrivent ou pas? Ok, ils sont là. Ok, ça les a bien rect, mais j'ai plus de bol. Grenade. Ça, c'est pratique, ça, quand il faut ça. Ça, après, on peut venir au cas et leur faire. Bim! Bim! Notre cible est là-bas, de l'autre côté du bouclier. En route vers la position. Bon. Je suis acheté par nazi. Faut que je le fasse revenir, celui-là. Annuler l'ordre de tir, soldat. Faut bien qu'il aille se soigner, là. Delta, utilisez votre vaccin. Tiens la position, Michel. Quand tout le monde se heal. Il est trop bon en 07, franchement il se mène grave bien. Faut aussi être soigné. Bon, il a l'air d'avoir bien tenu. On va pirater. Et toi va te soigner aussi parce que là t'as plus de vie là. Ordre annulé, soldat. Oui chef, j'y vais. Allez, c'est parti. On relance la carte kiwi. Oh non! Oh non! Putain, mais pas ça! Ok, on avance. Oh, GG. Putain, il m'a sauvé la life. Delta, abandonnez votre position. Delta, placez des explosifs. Ok, il n'était pas dans la position. Reprends la position, tu caches la merde. Il nous fait un sniper, il nous fait un sniper. Cool. C'est bon, il. Il met une bombe. Quand vous voulez, chef. Ok, alors barre-toi de là, barre-toi de là, je vais te faire péter là. Dégagez. Bien joué, Delta. L'alimentation de l'usine a été coupée. En avant les gars, on vous nice. On sache. On sache, putain, en sur formation. Moi. On se regroupe, chef. Oh, hacker, viens sur moi.
Je sais, t'es en position défensive et tout, mais ça suffit, là, faut partir maintenant. On annule tout, soldat. Escouade Delta en formation. En formation, chef. Enfant de moins de 16 ans. T'as voulu être dans la tête, arrêtez vite. Hein. Après, ça met une semaine à partir, cette putain de musique. Il mange une alternative à GameSpy. Ah, d'accord, ok. Nous devons partir d'ici au plus trop vite. Cool. Commencez d'espérer votre position. Oh, stylé. Oh, c'est énorme. Il vient de nous pick up. Allez, les gars, tout le monde à bord. C'est trop bien. Ouf. Oh. 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 C'est pas mal. T'as pas la dalle? Pour l'instant, ça va. Mais je pense qu'après, ouais, après République Commando, je vais faire une très courte pause pour me faire à manger. Moitié prix. Ouais, il est vraiment bien, Choconauts. Et t'inquiète, ouais, les modérateurs, ils font gaffe de qu'il n'y ait aucun spoil, ils mute tout. Mais ouais, il est vraiment bien, tu peux y aller. Hein. Stéphane de Star Wars, il est bien, et même si tu connais pas, si t'es pas super fan, il est vraiment bien. Ils se sont pas plantés. Ok. Delta, il y a un vaisseau amiral droïde désactivé plus loin dans ce canyon. Vous devez pénétrer dans ce vaisseau amiral droïde et récupérer les codes de lancement pour nous permettre d'endiguer l'évacuation de la flotte séparatiste. Avancez dans le canyon et débrouillez-vous pour trouver une entrée. On a des infos sur les forces en présence dans cette zone. Le vaisseau est protégé par une tour anti-aérienne. Et nos radars vous signalent la présence de droïdes. Oh la vache, il m'a one shot. Sans déconner. Il y a un passage plus loin qui mène au canyon suivant. Très bien, on s'y met les gars. Bonne chance, soldat. Salut le patron. Ne revenez pas sans les codes de lancement. Regardez ça. Ouais, on a déjà fait du Day Night, ouais. C'est génial parce que faut pas buter tous les ennemis dans ce jeu en fait, faut juste avancer et faire les objectifs pour faire péter les trucs et tout. Mais oui, ils arrivent, on continue. C'est bien, ça fait trop l'impression. Alors dégage. Oh, j'ai plus de vie avec ces conneries. Oh putain, il y a une canonnière qui s'est crashée là. Ici, on peut tous les abattre. On a vraiment besoin de vous. Tenez bon, Trooper. Ici Delta, nous sommes en route. Attention derrière vous. Non, je vais prendre ça, ça vous dérange pas? On pourrait utiliser cette tourelle là-bas. Ah oui. Parle d'un atterrissage. Allez, bim. Allez, bim. Allez, bim. Faut être vif, là. Oh, ça me tue. C'est trop bien. Hey, le psychopathe, t'en as tué combien aujourd'hui? Plus que toi, c'est sûr. Hé, hey, on entend gros sur cette ligne. C'est oh, bon, hacker, si on peut plus s'amuser. C'est génial. Le mec, il se baisse quand il passe devant moi en plus. Par contre, 07, il est un peu solo là. C'est bon ou pas? En fait, je pense qu'il y a un truc à faire. Ça va être un carnage. Peut-être qu'on trace parce que là, ils vont jamais arrêter de venir en fait. Allez, là. Moi, je vais me soigner. Non, putain, c'est pas vrai, j'allais me soigner. Fuck! Putain, il est one shot à chaque fois. Le protocole peut éliminer les ennemis avant de vous détruire. Non, c'est pas BF2, c'est pas du tout BF2, c'est Réplique Commando, il s'appelle ce jeu. Ah, mais aide-le, il est en train de se faire rank pendant qu'il soigne. Ah, c'est sérieux, hein? Oh putain, je vais éclater ce truc avec ça là, parce qu'il est mort. Use Water. Ils l'ont eu ou pas? Ce soldat a besoin de soins immédiatement. Je crois qu'ils l'ont eu. Putain, on s'est fait rank pendant, sur 2 secondes. Parce qu'il y avait un connard des géonosiens de merde là qui nous a défoncé. Prêt à me battre, chef. Pas la peine de vous traîner comme ça. Ouais, prenez pas la peine de vous traîner comme ça. Du bacta, prenez chef. Du bacta. Michel, sors dehors. Je me sens mieux. Vas-y, enlève-toi de ça là. Mon chef, pour te dire de partir. On ouais. Annule tout, soldat. Enlève-toi. Vous, Bacta, tout de suite. Vous, Bacta, tout de suite. Ici, on peut tous les abattre. Oui, chef. Oh cool, il a laissé son arme. Nice. Je vais mieux maintenant. Arme prête. Bon, bah en position. Merde, putain. Delta, on se barre d'ici, hein, ça pue la merde. En formation. On se regroupe, chef. Oh putain, et ça craint. Ça craint, ça rase, ça. Ça te fait quoi les One John Ozen, je me rappelle plus. Oh putain. Oh là là, mais ils font trop de dégâts, ils me touchent une fois, je suis mort. Oh non, il y a lui. Mors-toi, mors-toi. Éliminez la cible. Putain, il y a trop de monde là, c'est pas possible, c'est pas gérable. Hein. Il est mort l'autre ou pas là? Oh fuck, oh fuck, putain. C'est vraiment chaud en difficile. Hein. Non, Star Wars, on est pas passé. Le 2, c'est le prochain. Eh merde. Un Delta
résultats à terre. Ils ont dû dire maintenir ordre. Putain, mais ces putains de Jonosiens avec leurs blasters de merde, ils nous mettent la misère. Hein. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Non, faut que je gère tout le monde tout seul. Faut pas que je meure. Ok, je vais aider lui. Putain, s'il y en a un qui vient dans mon dos qui me fout un coup de tête, c'est fini. Allez, bébé. Ah la vache! Oh putain! C'était quoi? Cool. J'ai une heal. Je suis là pour t'aider. C'est la merde, hein. Ça ressemble à l'eau. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, ouais. C'est bon, tout le monde va bien. Delta, prenez un peu de vous, là. Récupère du bactère. Oh putain, c'est pas possible. Suivant le bactère. Tout de suite. Oh la vache, tain, il nous laisse pas tranquille. Hein. On annule tout, soldat. Annulez le bacta, soldat. Mais non, va là-bas. C'est la merde, c'est la merde. Chef, décidez-vous. Il y a pas bien d'autres qui peut aller sur le point. Oh putain, il va se faire défoncer. Oh mon dieu, c'est la merde. Allez là, ça suffit les conneries, barrez-vous. Faut être Jonosien, j'ai plus de balles là. Ah, c'est là. Ouh, c'est bon. Allez, roue au bacta là. Utilisez votre bacta. Oui, chef. J'ai pas l'œil. Hein. On s'est failli se faire rect. Qu'est-ce que tu penses de Division? Bah, du coup, il est pas encore sorti. Mais soignez-vous, comme je l'avais dit, c'est bien. Annulez parce le que j'ai testé avec Gamescom. Votre comportement m'inquiète dans son état actuel. Mais j'ai peur que ça devienne répétitif. Mais sinon, ça a l'air pas mal, franchement. Il va falloir faire sauter ça si on veut passer, chef. Oui. C'est vrai qu'il va falloir faire sauter ça si on veut passer. Il y a deux qui reviennent quoi. Ok. Il y en a encore là. Il y en a au-dessus. S'ils nous renvoient une de leur merde là. Allons, allons. On entre dans le passage. On y va. Oh merde. Prenez, saleté. Saleté un sac de merde. Putain, supportable ce type. Salut. Cyprax. On y va. Cypraxis. C'est le jeu qui est sur PS2. Ouais, c'est celui-là, ouais. Attention, attaque aérienne. Pas de panique. Ouais, oui. Attaque aérienne. Attention, c'est cible en vue. Ouais, ils font chier avec leur saut de merde là. Mais crevez tous là. Du coup, pourquoi ils se demandent ce qu'on branle là? En fait, là, on est sur une mission sur Genesis toujours. Et la mission. Je vais me prendre un tir à lui ou j'arrivais là? Et la mission, en fait, c'est d'aller infiltrer une base ennemie. Si je me rappelle bien. Pour aller rect les. Les druides. Putain, il y a beaucoup trop d'avenir. Putain, c'est pas possible. C'est vraiment chaud. On ressent vraiment l'aspect jonosien quoi. Genre. Plus d'unité. Enfin, une pluie d'unité, on dirait des orques quoi. Eh, hey, salut! Putain, il a eu le temps de me rect quoi. J'ai plus de vie. Je connais. D'accord. Que j'arrive jusqu'au bacta tout à l'heure et je viens de frapper. Putain, je crois pas quoi. Putain, barrez-vous! C'est bon là, vous avez fini ou pas? On annule tout, soldat. Tu pourrais faire ça toute la journée. C'est déconné. Oh putain, il va falloir me couvrir, il va falloir me couvrir. Je crevais, putain, je crevais. Mon dieu, j'ai plus de vie. J'ai plus de balles, j'ai pas rien. Meurs toi, plus de tête. Ouais, je me heal. Couverture. On se met à couvert. Il est à fond dans le jeu. Mais carrément que je suis à fond dans le jeu, c'est la folie, c'est la folie. Mettez-vous en position de tir, soldat. Oui, chef. En route, vers la position. Bon, j'ai des balles, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, oh joli, les coups de snipe ils ont mis là. Bon, on est sur le même niveau. Bon, on va camper ici. Parce qu'on est bien, on a un bel avantage. Je vais me planquer là-dedans. Oh, il y a des droïdes, ça y est, on s'approche de la base. T'as quelque chose pour Noël? C'est-à-dire, si je prépare une vidéo ou quoi? Oh merde! Allez! Allez, meurs, ça fait gros mot de merde! Ouh, cool! On va bien gérer celui-là. Salut Félix! Comment ça va? Allez, en avant! Ouais, Janice, déjà passé. Pourquoi le clone ont pas tous. Merde. Pourquoi les clones sont pas tous la même voix? C'est des clones de Jango Fett? Ouais, carrément!
C'est une bonne question. J'aperçois une ouverture. Mais je pense qu'après c'est juste Je mets à jour les paramètres de mission. 3-8, pénétrer à l'intérieur et désactiver. Oh la vache, okay, les gars. C'est juste sur des doubleurs différents pour plus les rendre intéressants en fait. Pour qu'ils paraissent plus vrais quoi. Et puis en plus t'aurais jamais compris qui c'est qu'allait qui parlait s'ils avaient respecté ça. Oh mais c'est pas vrai. Putain je me fais rec. Oh on est en train de se faire défoncer par ces connards d'horribles. Mais eux c'est juste après. Bon là faut que je sois plus intelligent. Michel recule là, tu vas te faire défoncer là. Sécurisez cette position. Ok génial. Génial, génial. Il est posé sur moi. Pas mal. Ok. Ok, c'est bon, je les ai eus. Oh merde, pas encore. Oh putain, il y a du monde en haut aussi. 3-8, secourez votre escouade. Oui, bah merci, mais deux secondes. Le type il est marrant, vous savez, c'est. Qu'est-ce que tout soit dans l'eau en plus. Je vais pas. Suivant. Bon, merci, ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Oh, les mecs ils arrivent là. Malade. Là, faut que tu les réveilles, mec, hein. Moi, je peux le faire. Merde, putain, il y en a un autre. Fais chier. Oh, je suis à terre. Je vais arrêter. C'est la merde. Ouais, toujours sur Star Wars, ouais. Il y a quoi après BF2? Après BF2, du coup, il y aura Empire at War, je pense. Et après, je pense que ce sera la fin du live. Il est mort, Gérard, ou quoi? Il est où, Michel, là? Ah, c'est bien, c'est gavé. Par contre, il me faut une arme efficace, là, c'est quoi ce bordel? Il est toujours là, le gros, là? Putain, faut vraiment qu'il les relève, hein. Votre équipier a besoin d'aide. J'aide le soldat 6-2. C'est super, droïde de combat. C'est bon, on l'a eu. Il m'en faut un, là. Voilà. Position, soldat. Oui, chef. Viens avec moi. Tous les abattre. Je me mets en position. Étoile Delta en formation. Ok, il y a encore un carré. C'est la merde, c'est la merde. Bon. On va peut-être pas y arriver, on va peut-être mourir là. Oh putain, il y en a combien? Mais c'est pas possible! Oh la vache! Comment on change de grenade déjà? C'est quoi tout ce que j'ai mis? C'est T. Les grenades jaunosiennes, ils aiment bien ou quoi? Grenade jaunosienne! C'est bien ça. Grenade jaunosienne! Boum! Allez, meurs, putain, c'est pas possible! D'accord pour dire que les méchants sans son casque n'est pas charismatique. On parle pas du film s'il vous plaît. Sinon vous allez vous faire mute. On est dans le bunker. Bien reçu, 3-8. Localisez les commandes de la tourelle et commencez l'opération de désactivation. Allez, je finis cette mission et après je mange et on va sur BF. On fait tout sauter. Oh ouais, bah, j'avais compris. Oh merde. Allez grand j'en ai mis à son venir. Ouais boum. Donc je sais pour pas me faire chier, mais je pense que je devrais les garder pour les gros. Celui-là est mort. On crève. Ah oui, il sert tellement à rien par rapport aux autres. Oh, oh merde. On se barre, on se barre. Rappelez-vous, rappelez-vous. On va pas. Poussez-vous là. Oh. Éliminez la cible. 4-0, je recharge. Oh. Ouais, mais. C'est vraiment galère cela. Oh putain, il est encore, c'est pas vrai. Vous avez pas des grenades ou quelque chose hein? Éliminez la cible.
Oh, c'est enfoiré. Mais meurs, dans une pipe en bois espagnol, meurs. Putain, c'est pas possible ces trucs, hein, ils sont vraiment insupportables. Voyez si vous trouvez un point faible et placez-y une bombe. Ok. Chef, c'est un bon endroit pour poser une bombe. C'est pas du spoil, c'est juste qu'il est moche. J'ai besoin d'une solution explosive. C'est qui tire là? Ça tire en haut? Mais après, chier. Elle est bonne, elle est prête la bombe ou pas là? On dégage. Voilà. C'est ça que je veux voir, y'a pas un gros pavot là-dedans là? Nice. Moi, oh là là, c'est la guerre. La secte jamais. Putain, ça bise, ils sont partout. Les ah non, non, par contre, tu touches pas. Pas fermer la fenêtre là? Ah oui, bah oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis con. Combien de temps? C'est bon, c'est fermé? T'as dû éclater là. Oh là, c'est en fait. La dernière campagne est vraiment hardcore. Ouais, oh merde, ouais, carrément, ouais. Elle est vraiment cheatée. Hein. Là ils vont se faire activer maintenant. Allez, aidez-moi. On est là qui tente parce que sinon on va y rester. C'est pas que j'ai pas trop confiance en l'IA, mais. Bonjour. Pardon. Ok. Il y en a deux, putain, c'est pas possible. Ces trucs sont vraiment pétés. Hein. Et les autres derrière la fenêtre sont dégâts. Bonjour. Ces trucs coûtent tellement cher en munitions quoi. J'ai dû jeter des grenades, j'en ai plein. Fuck, j'ai pas pensé à ça. Est-ce que tu pourrais me conseiller un PC plus puissant, mais donc plus cher? Bah j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense entre 500 et 1000 euros. Enfin, tu peux trouver ton compte. Merde, du coup, il faut que je l'envoie au bot, toi. Enfin, c'est suffisant, ça sert à rien de plus de 1000 euros. Pas la peine de vous traîner comme ça. Prenez du Bacta. J'arrive, t'es trop vite. Annulez le Bacta, soldat. 6-2, j'annule les soins. Pas la peine de vous traîner comme ça. Prenez du Bacta. Oui, chef. Merci, chef. Bon, vu comme il se traîne, on va plutôt là. Arrêtez avec le Bacta, soldat. J'ai en train de le faire se balader. Pas la peine de vous traîner comme ça. Prenez du Bacta. On est à quel jeu, là? Là, c'est, du coup, c'est Réplique Commando. Et juste après, on va aller sur BF2. Commencez l'ouverture de la porte, soldat. Bien compris. Nice. BF2 après. BF1. Battlefront 2. Détonateur réglé. Battlefront 1, on l'a fait juste avant. Ça va exploser! Porte ouverte. Merde, on va aller se couvrir. Arrache-moi ça, je pense. Occupez-vous de ce terminal. Qu'est-ce que là? Oui, 3-8. Oh putain, c'est la guerre. Annulez l'opération de piratage. Allez, envoie la nôtre! Je crois qu'il va falloir qu'on ferme aussi cette porte. On bouge, soldat. Oh putain, c'est la merde, ça va deux trucs à faire en même temps. Allez. Oh merde, y'a le gros pavot! Il va me wreck! C'est bon. Putain, là, j'ai bien fait de les rush parce que ce passage il est insupportable sinon. Oh, joli! Prends ce qu'il est bon là-dedans. Par contre, j'ai déjà plus de vie là, c'est génial. Mais il y a un truc de Bacta là. Pas la peine de vous traîner comme ça. Prenez du Bacta. Nice. Il est au 07 là. Je sais pas ce qu'il fait. Escouade Delta en formation. On se regroupe, chef. Oh, c'est énorme, il y a le truc qui s'affiche au-dessus de lui. 6-2, prêt au combat. Pardon, 6-2. Merci, 6-2. C'est du Bacta en fait. Alors après t'expliquer ce que c'est exactement le Bacta, mais en gros c'est les soins dans l'univers de Star Wars. Après il y avait des fans qui trouvaient que le jeu était génial, mais que la seule incohérence qu'il y avait, ce qui est pas faux, c'est que du coup il y a des cellules à Bacta dans un vaisseau droïde. Ce qui c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Mais bon, alors voilà, il faut bien faire le jeu pour qu'il soit jouable. Oh merde, ils sont en bas encore. Putain, j'ai quoi comme grenade là pour ce connard? C'est quoi ça? Oh, des grenades flash! Oh, j'avais oublié qu'il y avait des grenades flash. T'es joué. J'ai l'impression que t'es passé devant là. Allez, meurs. Ça va peut-être communiste. Dégagé. Boum! Et voilà! Les ordres. Easy peasy. Désactivé. Bon travail 3-8. Maintenant sortez de là et allez au vaisseau amiral. Oh merde. Putain, c'est pas vrai.
Chaque fois. Merde, putain, grenade. Ah putain, ça pue la merde. Putain, elle a pété instant la grenade, quoi. Mais oui, il y a peut-être biceps. C'est abusé. Moi, c'est grenade de merde. Ah, ils ont des boucliers en plus qui déploient à chaque grenade, c'est abusé ça. Ah, les deux, je les ai eu. Bon, du coup, Bacta pour monsieur là. Reste pas là. Delta, utilisez votre Bacta. Je récupère du Bacta, chef. Allez, vas-y, fonce. Putain, mais il est encore vivant ce connard, j'ai eu soupe. Putain, et en plus, il a moyen de faire des dégâts. Vous connaissez la chanson, soldat. On les met en pièces. Oh merde, putain. Commencez le piratage, soldat. Bien compris, chef. On va essayer de défendre un peu parce que sinon ça va être agréable. Ah, je me fais rect. Le chef est touché. Oh la vache. Je vais manger, je reviens. Ok, à toutes. Oh. Le prix de ma config. Attends, je finis ça et je te dis. Oh merde, on se fait tous rect là. Voyez sur vos gars. J'ai besoin de quelqu'un là. Si lui il meurt, on est fichi. On est fini, hein. Survie, Gérard. Non. Je crois que je l'ai relevé là ou pas. Oh putain, je crois qu'on va mourir là. Du Bacta, vite. Je crois qu'on a perdu. Oh merde, Sophie Rect. Putain, difficile. En difficile, c'est pas facile. J'avais déjà dit ça sur The Witcher. Cette putain de côte. Bon, il est quelle heure là? Oh, faut qu'on finisse cette mission quand même. Allez, on l'a fini. Oh putain. La sauvegarde se met juste avant les droïdes. Il est mort comme un con. Mais meurs, sans déconner. Pour ça, c'est un bout qui crève pas là. Bon, du coup, pas que je me fasse rake là. Attention, les yeux. Boom. Ok. Tourelle désactivée. Bon travail. Je pourrais réincarner un personnage Star Wars. Lequel? C'est une très belle question. moi je pense que je serais Obi-Wan Kenobi. Parce que je serais un grand sage. Boum! Des super droïdes de combat. Des droïdes de combat. Ah, ils font chier, j'ai plus de grenades. Ah, vous êtes deg là, hein? Éliminez la cible. Mais il est encore à terre, salaud! Chier ça. Vous connaissez la chanson, soldat. Ouais, faut qu'on rush la salle, mais là du coup on va pas rush les deux fenêtres d'un coup. Oh putain, voilà, c'est eux qui sont insupportables. Faut que je trouve une grande zone aux yens, j'en ai pas, c'est génial. Putain, je me suis bloqué! Je me suis bloqué, non! Tenez bon, faut le protéger. Bah elle est fermée celle-là. Effectué, chef. Ah non, il y en a une de lui qui est déjà fermée. Enfin, un peu de calme. Joli dire, chef. Je sais pas pourquoi celle-là n'est pas ouverte. Piratez-moi ce terminal, soldat. Vas-y. Du coup, si la pirate, elle va s'ouvrir, comment ça se passe? C'est marrant, elle s'est pas ouverte cette fois-ci, je comprends pas. Bon, je vais me soigner maintenant. Terminal, pirate échec. Faut que tu fasses plus de vidéos plutôt que des tutos. C'est vrai, ouais, non, carrément. Bah, d'ailleurs, je pense que je vais reprendre un peu de vidéos troll comme je faisais avant. Je parle pas des troll light, hein, mais je parle des vidéos un peu what the fuck que je faisais avant cet été et que je fais beaucoup moins. Ça me manque. Oh putain, c'est pas possible, sans déconner. Grenade, merde! Oh là là, je suis à terre. Bonjour. Chef. Ça va et toi? Tenez bon pendant que je fais le ménage. J'ai besoin d'aide, soldat. Le chef d'escouade reçoit de l'aide. Moi je serais Yoda comme ça, je serais petit et vert et je parlerais vers l'an. D'accord. Exterminé sur le moindre remords. Oh putain, non mais ce niveau, il y a un truc. Allez là!
Je vais pas crever, putain de merde. Je me mets à couvert. Je crois que si je leur spam en plus des grenades comme ça, ils se font wreck après. C'est ça le plan? Ouais, c'est ça. Si je leur en mets deux, ils sont HS. Oh, le salaud. J'ai plus beaucoup de vie là. Oh, ouais, voilà, c'est fini. Parfait! On a fini la mission, putain! Oh! Comment il est à dents sur le jeu? Bon, carrément. En même temps, il est trop cool ce jeu. Allez, on va s'arrêter là. C'est triste.